Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichny. Et comme d'habitude, on démarre avec les audiences, Julien. On a eu des petits scores avec les films du dimanche soir hier. 2,5 millions pour Tempête sur France 2 avec Mélanie Laurent et 2,3 millions seulement pour TF1 et Jumanji Next Level. Du côté des JT de 20h, en revanche, TF1 finit la semaine très fort avec une avance de 2 millions de téléspectateurs sur France 2. Anne-Claire Coudray a largement devancé la joker de Laurent Delahousse sur France 2. Sonia Chironi, 6,3 millions pour TF1. Sonia Chironi. Chironi et 4,3 millions pour France 2. Du côté de la Star Academy, il faut signaler que le Prime de samedi n'a réuni que 2 660 000 fidèles, soit 210 000 de moins que la semaine précédente. Ça fait deux Prime ça baisse, ouais. Sous la barre des 3 millions. Je précise que lors de la précédente saison de la Star Academy, l'intégralité des Prime avait fini au-dessus de la barre des 3 millions. Et là, on est donc à deux consécutifs sous la barre des 3 millions. Europe 1, le journal des médias. Et puis l'Eurovision 2025 pourrait ne pas se tenir à Bâle en Suisse. C'est pourtant la ville qui a été désignée après la victoire de l'an dernier de Nemo, cet artiste suisse qui se dit non-binaire, mais un petit parti décrit comme ultra-conservateur s'en est mêlé. L'Union démocratique fédérale, l'UDF, qui reproche au concours, je cite, d'être un événement de propagande pour la communauté LGBT+. L'UDF accuse aussi l'Eurovision de faire le jeu de l'antisémitisme, du satanisme. Le parti qui ne veut pas que l'argent public serve à l'organisation du concours a lancé une pétition. Elle a recueilli plus de 4000 signatures, suffisant pour qu'un référendum soit proposé le mois prochain en novembre. On rappelle que les organisateurs de l'Eurovision doivent participer aux frais. Et le montant ici s'élève à près de 40 millions d'euros. En Suisse, les électeurs peuvent avoir leur mot à dire sur l'utilisation des fonds publics. C'est dommage parce qu'on avait hâte de faire des blagues sur Stéphane Bern à Bâle. Ça aurait été assez savoureux. Ah oui, ça aurait été très drôle. C'est dommage. Autre info du week-end. C'est pas fait. Muriel Robin aurait quitté le tournage de la saison 5 de LOL qui ressort. Il semble y avoir eu quelques soucis dans les coulisses de cette émission de Prime Video. Selon Télé Loisirs, Muriel Robin aurait été agacée de ne pas avoir pu jouer sa carte joker quand elle le souhaitait. Bon, petite précision, cette carte joker permet aux candidats de faire des sketchs quand ils le veulent, dans le but de faire rire les camarades et donc de les éliminer. Suite à ça, Muriel Robin aurait alors rigolé volontairement, en se mettant devant une caméra pour se faire donc éliminer. Le tournage a été stoppé, d'autres candidats comme Vincent Dedienne auraient tenté de la raisonner, mais la comédienne n'a pas changé d'avis. Elle aurait même jeté un verre d'eau à la figure d'une des productrice avant de quitter le studio. La saison 5 sera diffusée début 2025. On peut imaginer que la production effacera au montage tous ces petits moments de tension. Grosse ambiance. Et puis toujours concernant cette émission, Prime Video a confirmé une nouvelle déclinaison qui s'intitulera LOL IRL, qui signifie In Real Life, dans la vraie vie en français. LOL qui ressort a lieu en studio. Cette fois, ce sera dans des lieux publics. 6 célébrités se mettront en scène, par exemple dans un supermarché, dans un cinéma, dans un musée. Ici, le but sera de faire rire des anonyme, chaque rire rapportera un point et ainsi de suite jusqu'à la finale. Le casting n'est pas encore dévoilé, la date de diffusion non plus, mais on peut imaginer que ce spin-off arrivera sur la plateforme courant 2025. Vous regardez ça, Philippe Candeloro, ce genre de programme? Sort, ouais, je me suis éclaté. Gérard Damon qui fait le commentaire sur le défilé de mode, c'est incroyable. Moi aussi, avec Pierre Ninet aussi, qui nous fait Thomas Pesquet, incroyable aussi. Non. Mais c'est grâce aussi à mes filles qui regardent ça, donc du coup, on se met devant la télé, on mate et puis on rigole bien. Et alors, on connaît désormais le duo d'animateur qui présentera 99 à battre, c'est le nouveau jeu d'M6. Il s'agit d'Éric Antoine et de Juju Fitcats qui ont confirmé. Encore, Éric Antoine. On a l'habitude, mais avec Juju Fitcats, c'est duo inédit. Ils ont confirmé l'information à nos confrères de Télé Loisirs. Ce sera la première animation de Juju Fitcats en prime time. Elle sera donc aux côtés de quelqu'un qu'elle connaît bien, parce qu'Éric Antoine présentait cette saison 2 des traites qu'elle a gagnée. On a régulièrement revu la youtubeuse depuis sur M6. Elle a présenté les deuxièmes parties de soirée de La France un incroyable talent, aussi celle de la saison 3 des traîtres. Elle est la compagne de jeu idéal, d'après Éric Antoine. Et alors justement, revenons-en à ce nouveau jeu, 99 à battre, c'est quoi le principe? Alors c'est l'adaptation d'un programme créé en Belgique flamande intitulé Homo Universalis. Au total, donc 100 candidats réunis dans un même lieu, ils doivent réussir des challenges, des jeux d'adresse, des défis de rapidité, des quiz. Ils peuvent être seuls, en duo ou en équipe, la seule règle étant de ne pas finir dernier à chaque épreuve, sous peine d'être éliminé. Le ou la candidate qui réussit à battre les 99 autres remportera, tenez-vous bien, 100 000 euros. Ça vous rappelle rien? Ah bah si. Ouais.
Bien sûr, ça rappelle Squid Game. Exactement, on entend le générique de la série sud-coréenne Squid Game sortie moins violent, en 2021. Oui, on meurt pas quoi. Ah, effectivement, les joueurs éliminés, a priori. C'est une bonne façon de les éliminer en même temps. C'est assez radical dans Squid Game. Bon, il y a quand même 100 000 euros à la clé, c'est assez énorme. Vous avez la réponse à la question pourquoi, quand il y a un animateur qui fonctionne bien sur une chaîne, on l'utilise à toutes les sauces. Vous pensez quoi. À Cyril Ferraud et à Eric Antoine par exemple. Bah, Eric Antoine, bon, je sais pas, j'adore ce gars parce qu'il est simple, il est excellent. Ouais. Mais par exemple, ça laisse pas la place à d'autres finalement. Il y a la même chose avec Camille Combal sur TF1, ouais. Cyril Ferraud sur France Télé. Moi, je me serais bien vu animer Le Juste Prix par exemple. Ça m'aurait bien plu. Vous avez candidaté ? Bah, en fait, on n'a pas été. En fait, soit il faut candidater, il faut taper à la porte toutes les 5 minutes pour. Vous le faites ça ? Non. Vous n'allez pas voir les chaînes. Bah non, mais en même temps, ça fait une dizaine d'années qu'on dit, bah, au lieu de m'inviter pour servir la sauce à des nouvelles émissions qui fonctionnent et qui fonctionnent pas, parce que mon humour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, passe de moins en moins, donc tout le monde a un peu peur de m'inviter sur des émissions, puis il n'y a plus beaucoup d'émissions où on peut s'éclater aussi. Bah, en fait, on leur dit, bah, faites-moi faire un pilote, faites-moi faire un essai sur de l'animation. Alors, est-ce que c'est ma voix qui passe pas, mais sur des émissions comme Juste Prix, bah, comme je suis proche, soi-disant, de mon portefeuille et tout ça. Et que, c'est vrai que ça colle. Et bah, ça aurait pu coller, voilà. Bon, et bah, voilà, l'appel est lancé. Bah, maintenant, ils le savent au moins. Tester Philippe Candeloro sur un jeu, avis aux programmateurs, aux directeurs de l'animation, chaîne. En animation, moi, je suis pas mal, parce que c'est ce que je fais sur la glace, hein, devant 3000 personnes. Vous avez un spectacle sur glace d'ailleurs qui arrive aussi. La fille du marchand de sable sur glace, qui est le spectacle de ma femme qu'on produit ensemble. Hein, ouais. Donc il y aura à Troyes, Amiens, Lorient et puis aussi à Gap. Donc on attend 20 000 spectateurs puisqu'on ne fait que de la session de la vente de sessions de spectacles. Ouais. Donc grâce à l'association Candeloro Show Company, donc vous pouvez aller voir les renseignements sur les pages Insta, Facebook et tout ça. Mais on vous invite à voir parce que c'est un spectacle très familial qui plaît de 7 à 97 ans maintenant. On peut même rajouter 20 ans de plus. Mais voilà, en tout cas, on est très. Je suis très fier de produire ce spectacle qu'a réalisé ma femme. Voilà. Et puis ça patine à Tokyo avec Nelson Montfort qui sera en tournée à partir de janvier 2025. Merci beaucoup Philippe Candeloro d'être venu ce matin au micro d'Europe.